Bonjour à tous. Encore un article anti-vape, ou plutôt qui est ignorant, totalement ignorant de la vape, et c'est un article qui est publié par The Convex Session. The Convex Session, c'est soi-disant des scientifiques, mais en fait, elle a été écrite par Alishan Kurti, donc professeur de psychiatre, et en fait, elle a zéro expérience dans la cigarette électronique. Elle n'est pas tabacologue, elle n'est pas addictologue. Et même quelqu'un qui est tabacologue et addictologue n'est pas un spécialiste de la cigarette électronique. Un expert, c'est quelqu'un qui a une formation dans le domaine et qui a écrit des papiers publiés dans le domaine. Donc, cette femme n'a jamais écrit le moindre papier sur la cigarette électronique. Elle avait une heure à tuer. Elle avait alors on lui a dit de publier un article et elle a publié. Mais le vrai problème, c'est que ce site se considère comme des experts. Donc le titre, bon, hein, Are vaping and e-cigarette the same? Elle répond à la question, mais très peu. C'est-à-dire qu'elle se pose une question, mais elle ne répond pas dans l'article. Ouais. And should all this product be avoided? Ben non. Donc, l'article, il est assez court, hein. Les inquiétudes sur la vape continuent d'augmenter, patati patata, on a 40 morts et 2000 maladies. Donc là, c'est la description de la cigarette électronique. OK? Ensuite, voilà, elle donne une définition que si cigarette, vape, vapen, joule, e-cigarette et vaping se réfèrent à la pratique en elle-même. Bon, on n'avait pas besoin de toi. On comprend assez rapidement. En fait, ce type d'article nous prend vraiment pour des débiles profonds. En fait. Elle nous dit des évidences. Ici, voilà, les États-Unis ne considèrent pas. Les États-Unis considèrent la vape comme un produit de tabac et non comme un outil de cessation tabagique. Oui, mais ça, c'est la faute de la loi. C'est pas la réalité, en fait. Parce qu'il ne peut pas être un produit de tabac parce qu'il n'y a pas de tabac dedans. Juul, bon, hein, il faut toujours taper sur Juul, qui, on a raison, avec la vidéo que j'ai faite sur la réunion avec Trump, là. Donc, ensuite, il y a cette ligne-là. There are other weapon products, however, they are designed more to inhale THC. Non, il n'y en a pas. Ces produits viennent du marché noir. Tu parles du marché noir, là. Il n'y a pas de cigarette électronique pour vaper du THC. Faut arrêter. Donc ensuite, on a les maladies pulmonaires. Voilà, ils ont trouvé le nom de EVALI, c'est le nom de la maladie. Donc, cette phrase est fausse. Vous voyez ça? Oui, non, 84% de ceux qui sont morts ont reporté avoir vapé du THC, soit exclusivement ou en combination avec la nicotine. Pourquoi mettre ça? Pourquoi? Ça n'a pas d'intérêt. Parce que, en fait, si ces jeunes ont vapé du THC, ils ont utilisé le même appareil pour vaper de la nicotine. Donc, vous pouvez pas dire que la vitamine E acétate se trouvait dans les liquides de nicotine, et on le verra par la suite. Elle se contredit elle-même. Non, non, c'est que c'est pas, ça vient pas des liquides nicotinés. Donc là, voilà, la plupart du temps, ils l'ont obtenu du marché noir. Donc c'est la vitamine E acétate, mais là encore également. Voilà. My research indicated the rollout of chemical elements also be associated with non-alcool. Parce que c'est la vitamine E acétate qui est la responsable, point final. Voilà, c'est ça en fait. Ça a été prouvé encore et en partie. Il n'y a pas de plus de recherche nécessaire. Donc là, bon, en fait, elle essaie de diaboliser les liquides nicotinés, mais elle n'y arrive pas. Parce que c'est une incompétente. Non, vitamine E acétate n'est pas plus présent dans les produits qui contiennent du THC. C'est exclusivement présent dans les produits qui contiennent du THC. Maintenant, c'est ça.
Elle vient, là, elle nous a dit que ça peut, la vitamine acétate peut être dans les produits THC, mais également dans les liquides nicotinés. Et là, elle se contredit. Un récent rapport a prouvé que les patients atteints d'EVALI dans l'Utah, 17 des 19 patients avaient des produits, utilisaient des produits contenant du THC. Et 0 sur 20, c'est-à-dire 0% des produits nicotinés, avaient de la vitamine acétate, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une seule particule. Voilà. The American, ensuite, je termine. Voilà. The American Medical Association, cette association-là, elle est totalement anti-bas. C'est une saloperie, comme l'American Lung Association. Donc, elle appelle au ban de toute la vape, hein, cette AMA-là. Mais elle n'appelle pas au ban de toutes les cigarettes, c'est étrange. Ensuite, No Vaping or e-cigarette product currently on the market are considered tobacco cessation. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Ça, c'est selon la FDA. La FDA, parce que, en fait, tu peux pas promouvoir une cigarette électronique comme une outil de cessation tabagique, parce que là, ce serait un médicament. Il faut passer la FDA. Mais c'est pas une raison. C'est pas parce que tu dis cette phrase que c'est vrai. C'est de la pensée magique, là. Parce qu'il y a des millions d'observateurs empiriques de leur propre expérience personnelle qui peuvent témoigner. Moi, je peux témoigner que la cigarette électronique est un outil de cessation tabagique. J'ai arrêté de fumer depuis un an et demi avec la vape. Donc, en sachant, petite parenthèse, ce que la FDA propose, une loi qui entrera en action en 2020, qui s'appelle la PMTA, et actuellement, les seuls produits autorisés dans la PMTA, c'est le tabac chauffé. Voilà. Maintenant, pourquoi il n'y a pas d'expertise là-dedans? Cette meuf n'est pas une experte. Elle ne dit absolument rien de nouveau, c'est-à-dire que elle a parcouru le web pendant 30 minutes pour écrire son article de merde. Pourquoi? Pourquoi ça arrive tout d'un coup? À cause de 20 millions de dollars. Je sais pas qui a fourni les 20 millions, mais il y a une campagne de 20 millions de dollars qui était de l'argent, qui a été mis sur la table pour fournir des recherches sur la vape. Le problème, c'est que l'origine de l'argent vient du groupe anti-vape. C'est-à-dire que dans les prochains mois, attendez-vous encore à plus d'études pourries qui vont diaboliser la vape. C'est pour ça qu'il y a ce genre de trucs. Ça fait du buzz, donc il faut en parler pour avoir les subventions. Donc voilà, c'est un article de merde, écrit par une pétasse qui n'y connaît rien et qui a voulu avoir 5 minutes de couloir. C'est ça la science aujourd'hui.